Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan Doux et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre aventure sur le jeu. C'est parti, je ne sais pas exactement ce que l'on va faire. Je vais essayer de voir si je peux pas faire la quête d'ascension de Riku et Manana. Je suis allé voir sur internet. Je n'ai pas vu de prérequis, je sais juste qu'il faut aller là. Il faut aller ici. Et a priori, il se passe quelque chose, mais il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de, y a rien. Alors, est-ce qu'il faut juste dormir ou passer le temps? Je sais pas, mais j'en ai marre. J'en ai marre, en fait. Donc j'ai envie de faire la quête d'ascension. Plus que je dorme, peut-être. Faire le point. Produire un repas, cuisiner un repas. Non, il n'y a rien. Recherche des Ouroboros. Non, il y a vraiment que dalle. Hein. La recherche des Ouroboros. C'est peut-être ça. C'est peu probable. Ça, c'est juste qu'on avait débloqué avant. Quel genre d'expérience cette chercheuse peut bien vouloir mener sur nous au juste? Quoi, t'as la trouille? Ah oui, voilà. Ça me revient. Mais ben, si jamais elle met la main sur nous, tu te demandes pas ce qu'elle nous ferait? T'as qu'à pas te laisser prendre. Tu sais qui est l'ennemi. Cette chercheuse, elle s'appelle Salazar, c'est bien ça? D'après Caspar, elle passe presque tout son temps au laboratoire de recherche près de la porte nord. Si ce qu'il nous dit est vrai, nous avons tout intérêt à garder nos distances. Je propose que nous adoptions une politique d'évitement actif. Ça se tient, j'aimerais éviter de devenir l'un de ces sujets d'expérience. Essayons de rester aussi loin que possible de la porte nord de la colonie Iota. Ça se tient. Non, et je n'ai toujours pas... Est-ce qu'il faut que je fasse de la cuisine, peut-être? Je crée des gemmes? Qu'on peut créer des gemmes de niveau supérieur là. On peut, hein, techniquement, on a 93 gemmes dorées. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? De créer des gemmes de niveau 10? Non. Cuisine un repas. Amélioration du butin. Vas-y. Produits et accessoires. Ça, c'est avec lapidaire extraordinaire. On a absolument rien. Bon, bah, il y a strictement rien, hein. Voilà. Il y a strictement que dalle. Ben je sais pas. Je ne sais pas comment je déclenche cette quête d'ascension. Pas grave. Ça va bien arriver à un moment, je sais pas trop. Ça me paraît étrange quand même. Bon, on sait que ça se déclenche par là, mais... La question c'est quoi? Enfin, c'est comment, plutôt? Est-ce qu'il faut avoir fait une quête d'ascension en plus derrière? Ça m'étonnerait. Peut-être, hein. Peut-être. Est-ce que la quête avec Juniper... Non, il n'y a pas de quête avec Juniper, ça c'est avec... avec l'autre, la Colonito. Il y avait des trucs à la Colonito, non? Il n'y avait pas des choses à faire, la Colonito? Quête, on a quoi comme, comme quête à faire? Le jeu registre la réunion, l'instructeur particulier, on a ça à faire qui peut être intéressant. Les trois démons. Les trois démons. Ressources limitées, c'est Iota. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. À force d'envoyer aux autres colonies Iota, voyez si on peut leur apporter votre aide. Parlez aux personnes indiquées, Shell. Elle est où? Région de Forni. Pas là. Prenons là. Voilà. On va parler à Shell. On va faire les quêtes secondaires, tant pis. Et on fera la quête de Riku et Manana plus tard. Je n'ai pas vu de prérequis
autre que d'avoir la classe de niveau 10, ce qui est le cas. Donc c'est un peu particulier. Il faut que je sois à niveau 10 avec tous les personnages peut-être. Ça me paraît très étrange. Ça va prendre un moment avant d'arriver. Je m'en doutais, on va devoir se rationner en attendant. Du coup, si vous manquez de ressources, on peut vous aider. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que je sois à niveau 10 avec tous les personnages. En s'y mettant tous ensemble, on aura fini en moins de 2. Vous tombez à pic. Nous en avons parlé à Alexandria, mais elle nous a renvoyé vers vous. C'est une situation à laquelle vous êtes déjà préparé, n'est-ce pas? Que faites-vous dans ces cas-là? Je vais vous expliquer. Risa et moi avons déjà envoyé nos meilleurs éléments en mission. S'ils reviennent, ils devraient ramener pas mal de choses. Nous espérons arriver à 70% de notre capacité. 70%, pas mal. Vous avez dit si ils reviennent. Votre plan consiste surtout à croiser les doigts, en fait. Ah, belle observation. Deux unités envoyées en mission ont rencontré un problème. Elles sont tombées sur une colonie de Scorpox, apparemment. Des Scorpox? Croyez qu'ils sont en migration? Au vu des informations reçues quant à leur nombre et à leur déplacement, c'est très probable. Ce n'est pas la meilleure des situations. Quelqu'un peut m'expliquer ce truc de migration? Les monstres partent pour un long voyage. Quand une population de monstres dépasse un certain seuil, ils partent en quête de nouveaux terrains de chasse. Et s'ils te tombent dessus, ils te boulottent illico. Ils crèvent tous tellement la dalle que pour eux, t'es juste un gros bout de viande bien juteux. Burk. Laissez-moi deviner, les unités qui se sont fait attaquer rapportaient de la nourriture. Bingo, l'odeur a dû les attirer. Comment pouvez-vous rester si calme si nous n'allons pas les aider de ce pas? Aucun plan ne résiste au contact avec l'ennemi. Je veux qu'ils s'en sortent tout seuls. Cette expérience leur sera utile en tant qu'individus. Bah, s'ils en meurent, pas très utile. Vous pensez que recevoir de l'aide freine le développement personnel? Exactement. On peut au moins surveiller la situation sans forcément les aider, non? Si vous ne vous inquiétez pas au moins un peu, on ne serait même pas en train d'en parler. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que je comprends. Je sais ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Elle a été dans ses... dans sa situation, Mio. L'unité de Kozali est coincée dans le désert de Danag et celle de Torbin dans la plaine de Ribi. Ils seront assez chargés, vous les reconnaîtrez quand vous les verrez. D'accord, nous irons voir comment ils s'en sortent sans leur mâcher le travail. On protégera tout le monde et les vivres aussi, bien sûr. Vous me rendez un énorme service. Parce que maintenant, Mio, elle meurt plus. Contrairement aux autres, en fait. Il n'y a que Noah et Mio qui sont dans des cordes increvables, là. Ils sont à la fois... Mobius et Ouroboros. C'est le double. Pas la caverne. Il y en a qui sont dans le désert ici. Et... un autre là? Ressources limitées. Ok. Bon, on va aller là du coup. Il y a deux points d'interrogation. Pourquoi il y en a deux? Ça, c'est celui-là, on le connaît, c'est celui de Ino, probablement. Pourquoi il y en a un second? Juste là. Colonie Yota. Ah, mais c'est la porte nord, c'est pas, ça sera pas une quête avec justement qui veut nous bouffer les Ouroboros là. Mais je vais pas dans la bonne direction. Enfin. J'allais dans l'autre. Je prenais l'autre point d'exclamation. Ça ne va pas. Et du coup, j'attendais. Je vais réaliser un truc. Personnage. Classe. Toi, tu es niveau 10 avec armure Omiam. Là, tu es niveau 9. On va passer ça à niveau 10. 10, niveau 1, niveau 1. Si j'ai... niveau 10, j'ai pas assez, merde. Tu vas te mettre armure Omiam. Fais ça. Et Lance aussi. Que des armures Omiam. Pas nous servir à grand chose. En vrai. Je suis 6 avec Senna. On va faire ça comme ça. Ah non, faut que je sois tank, je suis con. Ah ben voilà. Très bien ça.
Hop. Il faudrait que je baisse le niveau 1 de mes unités, très probablement. Un des objectifs indiqués. Ah, mais c'est un seul. Bah, celui-là, il sera plus rapide en fait. C'est un seul des deux objectifs. Pas se faire chier à faire le plus long. Y a pas de TP. Là, il y en a juste là. Hop. Ah bah, ils sont fait attaquer. Prêtez attention. Bonjour, excusez-moi, est-ce bien l'unité de Thorbin de la colonie Yota? Ma foi, oui, tel est le cas. Et si vous cherchez Thorbin, il se trouve devant vous, car tel est mon nom. Nous avons entendu dire que vous avez été attaqué par des Scorpox et nous nous demandions comment vous alliez. Nous avons vaincu l'ennemi, comme vous pouvez le constater. Hélas, comme vous pouvez également le constater, notre précieux Levnis a également encaissé une violente rossée. Il a vu des meilleurs jours en effet, mais il devrait être possible de le réparer, non? Oh, si c'était aussi simple, avec les pièces adéquates, ce serait un jeu d'enfant. Hélas, nous manquons de pièces de rechange. Que l'héritier de l'unité du célèbre Risa en soit réduit à une telle situation, voilà qui m'attriste au plus haut point. Vous arrêtez de faire du bruit, vous là, s'il vous plaît? Merci. C'est donc pour ça que vous êtes coincé ici. Nous pouvons vous aider à obtenir les pièces dont vous avez besoin. Accepteriez-vous d'accomplir cette tâche? Votre unité a des blessés, il serait plus efficace que nous allions nous-mêmes. Je vous en serai éternellement reconnaissant. En toute franchise, la simple défense de nos précieuses réserves de matériel a suffi à épuiser nos forces. Si nous avions sous la main ne serait-ce que 5 jointures tripatées, ça suffirait à assurer notre survie. Pour ma part, je m'efforcerai de défendre mes comparses et nos ressources. Nous reviendrons au plus vite. Non mais vous me cassez les oreilles en fait. Voilà. Ta-la-la-la. Merci. Ah, ça fait du bien. Ben. Ah, j'en ai toujours trépaté. Comment je vais chercher ça? Oh. Comment je sais où je trouve les jointures trépatées, moi? Pourrait nous dire où ça se trouve, non? Où est-ce que je peux trouver des jointures trépatées? J'ai beau activer la navigation, ça va te faire foutre. Hein. Tu nous vends des jointures tripatées, toi? Non, c'est pas toi le marchand. Cylindre des terres. Non. Ben merde. On va chercher ça sur internet? Hein? Allez. A tout de suite. Ok, a priori, il devrait y en avoir ici. On espère. On l'espère. Dans la microfabrique. Est-ce que toi, par hasard, tu m'as donné... Oui, tu m'as donné. Les fameuses microfabriques. Oui, oui, vas-y, viens. S'amuser. Allez, donne-moi des jointures trépatées, s'il te plaît. Et non, hein. Et non, non, non. On peut même pas passer. Ça, c'est chiant, par contre. Hein. Non, non, non. Je me suis peut-être trompé de microfabrique. Possible que je me sois trompé de microfabrique. Ça paraît quand même bizarre.
sud-ouest de Fornis. Fornis. Je vais être pas assez au sud. Il y en a peut-être une ici en fait. C'est peut-être la micro-fabrique qu'il me manque. On n'est pas vraiment... Ah si, on est quand même au sud-ouest là. Mais il y a peut-être une autre micro-fabrique, encore plus au sud. On va aller voir. Champ de bataille. Ah mais non, il y a le champ de bataille. Mais oui, dans ce champ de bataille, il y a peut-être une micro-fabrique. Il me manque une pierre. Ce serait pas mal qu'il y ait une micro-fabrique ici. C'est peu probable, cela dit. Ah bah si. Attendez. C'est ça qu'il me faut. J'en ai toujours très pâté. Mais... Ce n'est pas une micro-fabrique, ça. Bah écoutez, voilà, il y en a là, des jointures trépatées. Pardon. Il n'y a pas de micro-fabrique. C'est dommage, ça aurait été bien. J'aurais bien aimé, moi. Qu'il y ait une quête de micro-fabrique ici. C'est le désert. Hein. C'est plus que mort là. Il y a rien d'autre. Au milieu là, il y en a pas une. Vous voyez, j'étais à la recherche d'une vraie micro-fabrique. Je ne sais plus parler. Et au final, j'ai trouvé ce qu'il fallait, mais. Mais loul. Pas de micro-fabrique. Je ne sais toujours pas parler. Un Ferroni sachet, ce serait pas mal. Là. Dommage. Vraiment dommage, pour le coup. On va siffloter la dépouille. Elle date un peu, non celle-là. Ça date de l'époque. De Yoni. Enfin, précédente. Bon, cela dit, non. Pas nécessairement. Fait bizarre de ne pas y avoir de musique, là. C'est vraiment le... désert total, quoi. Bon, il n'y a rien d'autre, hein. D'accord. On va juste explorer cette petite zone, là. Vu qu'on y est. À faire, hop, et voilà, et on va pouvoir retourner voir machin truc. C'est pas un point de TP ça, loul. Hop, allez. J'espère qu'elle va, elle valent le coup ton truc là. On a galéré à les trouver. Hein. Extraordinaire à l'aide de ces pièces, il nous sera assurément possible de réparer notre Levnis. Comment pourrais-je vous récompenser pour votre générosité? Ce n'est pas nécessaire, à vrai dire, c'est à nous de vous remercier. C'est par notre faute que votre colonie est à court de ressources. Oh, Balivern, que tout ceci. Ne vous tourmentez pas pour si peu. Il nous est bien plus avantageux d'octroyer notre aide à ceux dans le besoin que dans le refus, que de le là leur refuser, n'ayez crainte. Songez-y, la mission en elle-même nous apporte une formation inestimable. Elle nous inculque aussi le respect pour nos ressources limitées et nous rappelle de ne jamais les prendre pour acquises. J'ajouterai que, outre ces leçons vitales et précieuses, cette mission m'a accordé de l'honneur de faire votre connaissance, et cela me remplit de joie. Eh bien putain, merci bien, c'est gentil de ta part, je vois. C'est un sentiment que nous partageons tous, ce mode de vie nous est coutumier et ses enseignements sont ancrés en nous. Je vous en conjure, faites usage de nos ressources comme bon vous semble, ne vous posez pas de limites. Je pensais qu'Alexandria partageait les ressources de la colonie pour créer des alliances. Celui-ci a également entraîné de nouvelles recrues. Son plan ne connaît-il donc aucune limite? Et non. Aucune limite. Carte. Ah, il faut que je fasse le deuxième aussi. Yes. Je pensais en esquiver un. Eh bien non. Ça dit, il y a peut-être un Ferronis HS là. Dans cette grande zone inexplorée.
au fond là, par hasard. Ça c'en est un, mais j'ai déjà dû le. Ouais, celui-là je l'ai déjà fait. Ouais, donc c'est peu probable qu'il y en ait une là, puisqu'il y en a un juste là. Bref. À un moment, le désert, on va devoir l'explorer aussi, hein. Le cartographier. Et pour le moment, la seule région qu'on a réussi à faire, c'est celle de l'épée, c'est-à-dire la plus petite du jeu. La première zone du jeu, on l'a presque fini. On n'a pas fini de la cartographier, mais je sais plus ce qui me reste. Ce qui manque à cartographier pour le coup. Un souterrain, je sais pas. Je ne me rappelle point. Ah, eux, il faut qu'on terrasse les monstres. Merde, il faudra aussi qu'on aille les aider. Il ne lâche rien. Ah non, il répare lui. On pourrait utiliser les vivres pour faire diversion. Hors de question, seulement en dernier recours. Donnez-moi 3 minutes. Après. Ah! Hein? Vous êtes. Il y en a tellement. Vous voulez qu'on vous fasse gagner du temps? Oui, s'il vous plaît. Ah, papin. Tellement de classe dans la posture de Nora quand même. Il est prêt à en découdre avec son double sabre là. Pin lin pin. Et hop. Alors qu'à côté t'as Lance. Il a son truc de nos ponts là. Là c'était beaucoup de pixels là. Ouais là Lance c'était pas ça le. La qualité d'image n'était pas folle là. Tintintin. Tala. Ouais. Dans les combats, je m'en étais pas rendu compte jusqu'alors, mais. C'est très pixelisé. Tout fonctionne normalement. Les réparations sont terminées. Ouais, merci de votre aide. On sera un peu en retard, mais on devrait pouvoir rentrer à la colonie. Mais il y a encore des Scorpox dans les parages. Ne vous inquiétez pas, on prend un autre chemin. Notre plan est de suivre un chemin que d'autres unités ont confirmé comme étant libre. Vous avez pas l'air trop bouleversé. Ce genre de choses arrive souvent. C'est la première fois qu'on tombe sur des monstres en migration, mais il se passe presque toujours quelque chose. On s'habitue à force. Quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, il faut avant tout garder son calme, surtout quand on commande. C'est ce que Shen nous a appris. Aujourd'hui, c'était l'occasion de montrer que nous avons retenu la leçon. Kozali est pressenti pour reprendre le poste de Shen le moment venu. C'est pour ça que cette mission nous a été assignée. On devrait rapporter les biens les plus susceptibles d'attirer les monstres. On essaie aussi de ne pas se faire dépasser par Forbin. Bon, ne vous inquiétez pas, on est déjà venu en aide. De quoi tu parles, ça n'a rien à voir avec lui. Je suis sûr que Shed a confiance de ta valeur. Continue comme ça. On n'y manquera pas, merci. C'est bon, c'est occupé de tout le monde. Yep. Absolument. Et non. Et oui. Ça c'est mieux. On va parler à Shell. Tiens, on continue de gagner des trucs, hein. Ça date des microfabriques, ça? Non, des monstres peut-être. Contente de vous revoir, les unités déjà rentrées nous ont raconté vos exploits. Tout était comme vous nous l'aviez dit, Shell. Ils cherchaient tous à être à la hauteur de leurs responsabilités. Je vois mieux pourquoi la colonie Iota est à ce point réputée. Oh, vous comprenez désormais à quel point Dame Alex est phénoménale. Juste une question, que cherche à accomplir Alexandria? La création d'alliances par la distribution de ressources et la formation de nouveaux soldats sont deux objectifs étroitement liés. Dame Alex n'aime pas répéter les mêmes erreurs. Du temps où la colonie Iota ne faisait qu'accumuler des ressources, nous avions énormément de conflits internes. Les riches ne cherchaient qu'à s'enrichir, il n'y avait ni entraide ni coopération, juste de la mauvaise foi et de l'égoïsme. Dame Alex a appris que l'abondance de ressources ne signifiait pas forcément une meilleure qualité de vie. Je comprends. Mais n'est-il à rien d'autre? J'ai moi-même un esprit assez analytique, et je trouve qu'Alexandria montre parfois un côté calculateur. A-t-elle toujours été ainsi? Dame Alex n'a toujours pas confiance en elle, elle n'y arrive pas. Nous n'avons pu que veiller sur elle, mais vous? Quoi, nous? Dame Alex doit changer. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, s'il vous plaît, veillez sur elle. Je comprends, c'est d'accord.
Enfin bref, nous nous sommes un peu éloignés du sujet principal. Nous sommes parvenus à atteindre 70% de capacité comme prévu, donc nous pouvons nous remettre au travail. Je ne vous remercierai jamais assez pour toute l'aide que vous nous avez apportée. Quête terminée. Ressources limitées. Échelle évoquée avec vous un autre aspect de la personnalité d'Alexandria. Cela voudrait-il dire que nous pourrons avoir la quête d'ascension grâce à vous, votre travail. Nous avons grandement amélioré les services. Ok. Est-ce que du coup, maintenant, dans le sociogramme, non, c'est pas ça que je voulais faire. Dans les quêtes, on peut utiliser ça. Les ressources. Pour Fiona, ça c'est cool. Colonie Iota, colonie Mu. Là on augmente l'entente. Et c'est tout. Tiens, prends ça. 300. Et là j'ai pas les colonies. Hein. Les réserves de la colonie 0 sont en train de s'épuiser. Non. Produit de la colonie Iota. Ah oui d'accord, mais il en faut beaucoup plus en fait. Il y a déjà plus de production. Il n'y a déjà plus de produits. Il n'y a déjà plus rien. On va devoir ne pas s'approcher, mais on va quand même y aller, évidemment. De la porte, là. Ça a probablement une importance pour ne serait-ce que la quête d'ascension d'Alexandria. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce brasier? Couvrez votre bouche et votre nez. Ok, ils sont 3, 4 à être tombés direct. Gaz soporifique. Ah, ils sont tous tombés. Yes. Je vais faire les expériences. Sur nous les Ouroboros. Où sommes-nous? Expérience. Explosion. Expansion exceptionnelle de nos connaissances. Ici, votre meilleure copine, Salazar. Salazar, la chercheuse de la colonie Iota. Par la crinière soyeuse de la reine, vous avez entendu parler de moi? Qu'est-ce que tu nous as fait? Rien du tout, pour l'instant. Menteuse, comment on en arrive ici alors, hein? Je ne mens pas. Je suis simplement curieuse, je veux en savoir plus sur les Ouroboros. Après tout, vous êtes... Elle me gaffe déjà, faut qu'on dégage. On ne raccroche pas au nez. Tu n'as plus envie de pouvoir envoyer des choses à tes amis? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle mouche? Attends. Autorisation de distribution de ressources suspendue. Trop tard. Et arrête ça, faut pas le brasier. Je ne fous pas le brasier, voyons. J'ai simplement gelé vos droits d'accès. Rejoignez-moi au monde en bas et je les réactiverai direct. J'aurai craché. J'ai envie que vous passiez me faire un petit coucou. Je vous attends. Ouais, je lui ai fait une voix détestable, tout à fait. Quête secondaire, l'expérience Ouroboros. Qu'est-ce que c'est que cette ombre? Chelou. C'est chelou. Bref, nous allons nous arrêter là pour cet épisode et nous en referons un autre, évidemment, pour la semaine prochaine. Pas du tout, pour le reste de la semaine. Voilà, ciao ciao tout le monde et à la prochaine.